Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions, bon Dieu, qui accordez-nous encore une fois un privilège ça pour nous capables, dans la présence de lui, adorer lui en esprit en vérité. Et nous saluons chaque monde et qui sortit de très loin, qui venait par bon ici, dans le programme 60 ça. Et nous disons bon Dieu merci de ce que lui continue à faire grâce. Et nous saluons aussi chaque monde qui peut suivre le service à travers les réseaux sociaux, que bon Dieu lui continue à déverser grâce lui à travers la vie. Nous. Exode chapitre 19. Nous va considérer verset 3 et n'a terminé dans 11e verset. Exode chapitre 19 le verset 3 et n'a terminé dans verset 11. Exode chapitre 19 verset 3 à 11. Assemblée à prier pour nous capables de faire camper pour nous capables faire lecture ça. Est-ce que nous venons Exode? Hein? Exode dans le Nouveau Testament? C'était ça. Exode chapitre 19 verset 3 n'a plus vu dans verset 11. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, qu'ils ont dit, hein? Et si vous gardez qui ça, la continue, il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi qui ça? Un royaume de sacrificateurs et qui ça? Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles que, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit. Qui ça a dit? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse. Qui ça a dit? Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Qui ça dit? Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent, qui ça? Le vêtement, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Acclamez la parole de Dieu, mon doigt chita. Dieu est tellement saint. Il voulait que tout le monde puisse approcher pour être capable de sanctifier. Dieu est tellement saint, il veut que tous ceux qui veulent lui approcher soit aussi saint. Donc, la sainteté de Dieu lui exigeait l'homme pour le sanctifier lorsque il voulait approcher dans la présence de Dieu. Et par un monde qui attend de là, à Soya, qui a un petit monde que le gagne, et puis pendant qu'il y a un petit monde a fait besoin sur lui, ou qu'on a besoin. Et puis pour nous apprendre, si nous avons à tout besoin, il fait le soulier. Et puis pour l'embrasser, si nous
à moins que mon ça à moins que t'as un problème mental, mais l'homme, puisque le fait avec la ressemblance de Dieu, puisque Dieu son Dieu qui saint, attendez bien oui, puisque bon Dieu son Dieu qui saint, bon Dieu mettait dans nous la propreté. C'est ça qui fait que l'homme pas qu'à tolérer vivre dans n'importe bagaille. Donc si ou même en tant que l'homme, si vous petit qui fait besoin sous lui ou pas qu'à embrasser, maintenant mettez bon Dieu dans place où qui j'ai bon Dieu à pouvoir. Maintenant lorsque le péché lui conduit la vie, même gens yon papa yon maman les gars dont ils m'ont font besoin qui savent faire l'église, li entre dans yon douche avec le papa, li baigne si mon nan, li change toute vieille rade qui était sous lui, li mettait l'autre rade, li mettait poudre en bas poil etc. juste pour le capable non niveau pour l'accepter si mon nan. Donc c'est même gens tout bon Dieu lui-même li pas prend nous n'importe gens, li pas accepter nous n'importe gens. Ça pas veut dire attendez bien, ça va pas besoin grand pile l'argent pour mettre dans tête que bon Dieu prend à toute pile l'argent là. D'ailleurs la Bible nous dit dans le psaume 24 à l'Éternel qui ça, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Dieu pas un problème ça. D'ailleurs dans Agé bon Dieu va dire l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc tout le monde qui approche de Dieu, Dieu exige yo. J'en ai noté ça dans ce maintenant. La sainteté, ce n'est pas un choix que lié. Ce n'est pas un choix qu'on fait pour dire bon Dieu, bon, pour me casser vous bien, je choisis sainteté. Pas mal pour ça. La sanctification n'est pas un choix, mais son obligation. Ou après, bon Dieu dit dans la parole, vous serez saint car je suis saint. Soyez saint dans toute votre conduite. C'est ça, la Bible dit. Pas bon monde là tout, attendez, oui. Qui fait une fois manger hier, et puis même chose, elle finit de faire manger hier. Puisque c'est dur, il te fait hier, la fait dur aujourd'hui. Et puis bon, dit bon, puisque c'est même manger à ma fin, je n'ai pas besoin de faire le travail. Aïe, c'est même dur, hein? Ok, je vais quitter le consacre, celle m'a vidé de l'eau, m'a vidé de l'huile. Pour mettre du rien, pour du rien, puis pas c'est même pas. Pas de pièce moun qui là qui a fait comme ça. Ou est-ce que je suis intelligent? Nous prenons qui est, nous gratter aujourd'hui. Et qu'il y a des gratte qui quand redit pour le sortir ou forcer ou plutôt gratter chose avec rail pour le sortir parce qu'on dit son l'autre mange on va le faire en bien forme nettoyer. C'est même gens tout temps ça me dire gon dimension mon Dieu va le passer avec vous, les exige la sanctification, ça veut dire la passer de nos côtés à l'autre côté. Est-ce que l'église a là? Le bon Dieu exige la sanctification. Bon Dieu veut dire la sortie avec un haut niveau, la traverse avec un autre niveau. Comment dit t'as mon bon Dieu passer avec un autre niveau à soi. Donc le bon Dieu exige la sanctification, c'est parce que les bon bagaille que il prend le fait de grandiose. Donc bon l'autre dimension que un monde prend prendre automatiquement bon Dieu mandé la sainteté. Mais bien aimé, à travers la Bible, nous avons plusieurs exemples que des mondes qui choisissent approcher bon Dieu et ils ont choisi mener une vie qu'il a dans la sainteté. Nous avons quelques exemples avec vous rapidement. Premièrement, si nous avons Jacob. Jacob, dans Genèse chapitre 35, vous avez regardé depuis le verset 1er, l'Éternel dit Jacob, montez à Bethel. Pour qui ça, bon Dieu dit Jacob ça? Il dit Jacob, moi songe, les Esaou t'a couru derrière. L'autre est dans Maou. L'autre est fin voler bénédiction Esaou. Esaou t'a couru derrière. Et ou t'a couru pour lui, parce qu'on pas voulait pour lui te tuer. Et dans la nuit, quand Jacob t'a couru pour Esaou, il t'a pas fait un songe. Jacob a une échelle, attendez bien, oui, qui sortit depuis à terre, arrivé en l'air. Maintenant, Jacob ouais bon Dieu en les têtes d'échelle là. Et puis il gardait des anges qui montaient et descendaient dans l'échelle là. Maintenant, automatiquement, Jacob réveillé. Jacob dit assurément, la porte des cieux est là. Et puis Jacob dressait un monument, il vide l'huile là-dedans.
et puis il dressait pour mon Dieu, pour mon Dieu qui t'a sauvé lorsque tu as couru pour Esaou grand frère. Maintenant après Jacob hein sorti Bethel, il allait la caille Laban et vous songez bien Jacob t'a fait plus de 14 ans la caille Laban, il travaille 7 ans pour Rachel dans jour mariage là au lieu de Rachel qui est je vali et vali là. Donc on va penser on va bien inquiéter au côté là. Ou mettre mesdames, gros monde qui peut mettre dame bazo. Ou mettre mesdames, gros monde qui peut mettre dame. Ouais mesdames ou c'est tant de des mesdames, gars des monde c'est dans l'école mesdames là les mêmes. Les diplômés, il fait université là-dedans, il fait maîtrise là, il fait doctorat. Donc Jacob pensait c'est celle qui t'a trompé monde. Et pourtant gon Laban qui dépassait Jacob dans brin. Li dit Jacob dans pays ici pipiti pas gain droit marier avant pi grand. Et puis qui s'est passé Jacob fait 7 ans encore pour joindre Rachel. Maintenant, prêtez ma attention. Ou après lorsque Jacob a sorti la caille Laban, ou après bon Dieu va le croiser avec lui, il va le batailler à Jacob, il va le casser ce petit Jacob et il va le changer ton Jacob en qui ça? En Israël. Israël qui voulait dire lutter avec Dieu ou bien vainqueur. Donc, Jacob t'a lutté avec bon Dieu. Bon Dieu dit Jacob, vous êtes vainqueur. Mais bien aimé, il y a des gens pour bon Dieu jouer dans la totalité. Il faut bon Dieu casser ceinture. Il y a des gens pour le river dans une dimension extraordinaire. Il faut bon Dieu casser ceinture. Maintenant, l'homme dit casser ceinture, c'est pas ceinture physique là. Parce que ceinture, c'est un symbole d'équilibre. C'est lui qui doit force sous marché. C'est lui qui doit camper de jambe. Maintenant, Jacob, bon Dieu parle de Jacob, il a fait une avec Jacob, les Jacob a réconcilié avec Esaou. Il dit Jacob, montez à Bethel. Et si vous regardez le texte avec vous, je vais avec vous, Genèse 35, le bon Dieu dit Jacob, montez à Bethel. Jacob rassemblait, attendez bien, oui, Jacob rassemblait toute famille. Jacob dit, moi, pral monte à Bethel. Bethel qui signifie la maison de qui est? La maison de Dieu. Maintenant, Jacob dit, puisque moi parler dans la maison de Dieu, la présence de Dieu est là, à Bethel, il dit que mon Dieu nous pas qu'à aller jamais nous là. Avec vieux rap que nous gagnons. Avec des dieux étrangers que famille te gagne. Jacob dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez de vêtements. Genèse 35, verset 2. Jacob dit, mon Dieu, pour être capable de retirer les dieux étrangers. Ou quand vous avez dit, Jacob serviteur, bon Dieu, Madame Rachel, bon terrafim, en tant qu'elle n'a pas connu. Jacob a évoqué nos bon Dieu, dans Kaili, Madame Rachel, bon terrafim. Teraphim non son dieu étranger ou après Teraphim non qui s'allie son déesse. Il dit déesse ça c'est lui-même qui c'est déesse de la fécondité. Parce que pour qui ça Rachel te prend Teraphim non, lui maintenant tête lui c'est ti dieu ça qui t'a pral ba li petite. Et Rachel blie yon bagay. Petite c'est celle bon dieu qui capable petite. Amen. C'est le bon dieu qui capable petite. Donc Rachel kembe Teraphim non. Et là, Laban t'a fouillé. Il dit, Jacob, moi perdu yon bagay. Jacob dit, moun qui vole la, quel péri. Jacob pas connu si c'est madame ni Rachel qui te vole. Qui j'en Rachel te vole, il fin vole, il mette nan boss et chamois. Parce que son chamois te moute. Ou konne chamois, li gon dolgon un S. Et puis il fouillé te rafim nan mi tan S la. Nan mi tan boss la. Jacob, regardez, Jacob font serment. Jacob dit, c'est pour les gens qui volent Dieu étranger, c'est pour le périr. Laban fouille, il n'y a pas de rien. Il fouille Kaibila, il fouille Kaizilpa, il fouille Kaileya. Quand il arrive sous Rachel campait en les chamois, chita en les chamois, et puis il dit Jacob, dis Laban pour moi que moi j'ai croissance, moi, je ne peux pas descendre. Et Laban, pour diable, il connaît depuis qu'il y a une croissance. Bon, il va aller mettre des malheureux pour diable. Il quitte malheureuse là, sous chamoa, pourtant son mesdames qui a tracé son vieux bagaille.
Et je parle de plus devant, dernièrement, je me suis médité sur Genèse. Je parle de plus devant, Rachel n'a pas de droit à mourir. Ou après Léa fait environ 6 petites. Léa, pour compte lui, fait environ 6 petites. Rachel, cependant, qui c'est la femme aimée de Jacob, combien de petites lui fait? 2 seulement. 2 seulement. Et regardez bien, l'elfine fait premier petit qui c'est Joseph. Ou après, automatiquement, il fait Benjamin. Automatiquement, Benjamin sorti. Et puis, Rachel garde petit là, et puis il mourit. Gombagay, on serviteur de Dieu déclaré, l'a privé quand même. Jacob te getan maudit mon nom. Donc, malédiction tombée sur Rachel. Et Rachel te doit mourir. Parce que malédiction te getan prononcée déjà. Mais bien aimé, Dieu dit Jacob, montez à Bethel. Et Jacob rassemblait sa famille. Il dit comme ça, retirez tout Dieu étranger qui nous met en nous. Et tout le monde, tout vie dans nous gagne la canne. Et Jacob texte a dit, Jacob prend tout ça, il fouille tout et puis il enterre ça. Et à soi, pour me contextualiser le message là, maman de combien Jacob qui l'a à soi. Qui t'a de faire un travail d'inspection la caillou. Ma parle avec père de famille yo. Gede rad ou petite fille habillée devant. Qui compte le praler, li praler à Bethel dans la maison de Dieu, l'église de Dieu. C'est devant li habillé. Devant li mettre jupe là, devant li mettre corsa là ou quitter là les quand même. Donc Jacob lui fait moun yo retirer tout bagay qui pas bon et puis l'enterrer ça. Et puis texte a dit moun yo retirer zan mo, yo retirer ceci, yo retirer cela et puis on ba Jacob li pour yo monter à Bethel. Chers amis, Dieu mande yon préparation lorsque nous parler dans la présence de Dieu. La préparation est très importante lorsque nous parlons entrer dans la présence de Dieu. Si nous avons un deuxième exemple avec vous, nous prenons exemple hein, Joseph. Joseph est en prison. Ou après, le texte a dit, automatiquement, ou a fait un songe, il n'a pas expliqué le songe là. Et puis, il y a un monde qui dit, ou a, il y a un monde qui est en prison, qui a interprété le songe là pour vous. Et puis, qui ça a fait? Ou a fait un relé Joseph pour lui. Regardez la Bible bien. Ou après, lorsque Joseph a quitté la prison, il y a deux bagages qui sont soulignés. La Bible a dit Joseph retire la prisonnière. Deuxièmement, la Bible a dit Joseph, vous connaissez les cheveux qui sont poussés, les cheveux lèvres. Joseph rase la Bible, rase les cheveux. Parce qu'elle parle devant qui est le roi. Qui est le roi? Le pharaon. Et nous-mêmes, l'église, nous avons le roi. Il n'est pas seulement le roi, mais il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le roi des rois, assoyez. Donc l'église, l'important pour nous sanctifier. Dans le psaume 24, il dit qui pourra monter, qui va à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est celui qui allait. Mais innocent est le. Pas de mentir dans le bagaille. Donc la présence de Dieu est tellement sainte. La sainteté de Dieu en action. Maintenant, tout le monde qui va approcher de Dieu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui est si arrivé, qui compte dans le lieu saint. Et puis il dit c'est celui qui a les mains innocentes. Et puis dans Timothée, Paul parle dit je veux que les hommes, laisse que les hommes à prier, c'est pour lever des mains qui propres. Ancien Testament dit les mains pures. Nouveau Testament, Paul dit les garçons yo a prié, les l'église a prié, les femmes yo a prié. C'est pour lever main yo avec un main qui sanctifie. Après que des fois lever mon papa, bon Dieu pas main. Bon Dieu c'est baba ou fait. Li pas main parce que main li sale. Main li sale. Parce que la main, c'est le symbole d'activité. La main, c'est le symbole qui ça me dit
activité. Ça veut dire, l'elle dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes. L'Ivle dit, tout savoir-faire, toute activité, il doit être propre. Est-ce que l'église a là? Donc, bon Dieu exige la préparation, la sanctification, avant même qu'on rencontre bon Dieu. C'est ça que fait dans Amos, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce qu'on a dit avec mon qui va contre la dit ça pour moi, dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis mon qui va contre la ça pour moi, dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis on l'autre pour moi, prépare-toi pour Jésus. Prépare-toi pour enlèvement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Amos 4, verset 12. Il dit, préparez-vous pour aller rencontrer bon Dieu. Et regardez dans Matthieu 25 qui s'arrivait. Ou après, il y a 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Ou après, t'en es bien, oui. Ou après, tous les 10, il y a l'huile dans la bio. Tous les 10. Maintenant, tous les 10 là, combien qui étaient prêts? C'est 5 seulement. 5 seulement. 5 seulement qui te gagne l'huile dans l'emplant. Maintenant, l'emplant est très significatif parce que l'emplant lui représente la vie chrétienne. Ou après, si je prends l'emplant créole haïtien, ou après, il y a plusieurs parties. Il y a une base, côté où on met des gaz, il y a une bobèche, côté où on met des mèches là. Et puis, il y a un verre qui couvre du feu. C'est même gentil, la vie chrétienne, c'est une lampe qui a plumé. Qui ça me dit l'église? La vie chrétienne, c'est une lampe qui a plumé. Il y a trois parties qui ont envie nous. Premièrement, réservoir, récipient qui met gaz là, c'est quoi nous? C'est quoi nous? Ou après, il y a l'huile dans le réservoir, c'est même gentil. La Bible a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc l'huile là, lui représente le Saint-Esprit. Maintenant, mèche là qui relie l'huile là avec bois mèche là. Maintenant, mèche là, c'est la prière. La prière, c'est lui-même. Tenez bien, oui. C'est lui-même qui râle en choqué en dedans pour le mettre dehors. Maintenant, mes bien-aimés, bois mèche là, c'est la consécration. Ou après, bois mèche là, qui est là, non, le plan, il va jamais sortir. La consécration, c'est pas un jour, deux jours, mais toute la vie, me consacrer à Dieu. Maintenant, prêtez attention. Ou après, vers là qui kembe, attendez, oui, vers là qui kembe, hein, qui entre dans Bobèche là. Maintenant, il représente l'esprit. Pour qui ça le représente l'esprit? Parce que de temps en temps, les bon, la fumée qui paraît là-dedans, il faut nettoyer. Ça, c'est la sanctification. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Donc, la sanctification est très importante. Ou après que folio avec sagio, yo tous les deux t'es gain lampe, yo tous les 10 t'es gagné l'huile dans la bio. Et puis qui s'est passé pendant que l'époux a privé, et puis qu'il y a des sentinelles qui fait déclaration, qui dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais bien aimé, avant Jésus retourner, les grands groupes de sentinelles la mettaient dans chaque église pour dire chaque église alléluia, prépare-toi à la rencontre de l'époux. L'époux lui prend le rivière dans les airs et me déclarer sous l'église que bon Dieu choisit des sentinelles dans l'église. Les gens qui dorment dans l'assemblée, c'est pour qu'il y ait des prophètes qui ont levé rapide pour dire l'église, prépare-toi. Alléluia. Il faut qu'il y ait un sentinelle qui levé rapide. Parce qu'avant et pour arriver, il faut qu'il y ait un sentinelle qui fait route là pour lui. Est-ce qu'on a levé mon lait? Que bon Dieu fasse grâce. Déclare qu'on t'ochita, madame, c'est pour une sentinelle. C'est pour lui là qui est en dedans, là, il n'y a pas jamais suspend fini. C'est pour chaque non. C'est pour chaque jour la multiplier. C'est pour couple à déborder. C'est pour recevoir. Alléluia. Il est toujours en l'huile la donne. Même si vous avez dormi l'huile là. Même si vous levez l'huile là. Même si vous avez marché l'huile là. Même si vous avez marché dans l'huile là. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et puis, texte a dit, il faut lui réveiller.
sage réveillé. Prêtez-moi attention. Ou après, ni folle réveillé, ni sage réveillé. Maintenant, ce n'est pas réveil qui est important, mais c'est ça qu'en dedans, réveil qui est important. Ce n'est pas réveil qui est important, mais c'est qui ça qu'en dedans, l'huile, dans l'emploi qui est important. Ce n'est pas réveil qui est important, mais c'est l'huile qui est important. Et j'ai courage pour me dire ça. En vérité, pas de réveil sans le Saint-Esprit. Pas de réveil sans l'onction du Saint-Esprit. Si au monde veut prêcher le réveil, il faut le prêcher la puissance de l'onction. Il faut le prêcher qui sa onction qu'a fait. En vérité, je ne parle pas de réveil, mais je parle de la puissance du Saint-Esprit. Parce que depuis l'huile là, il y a un réveil. Depuis l'huile là, depuis l'onction là, on ne peut pas tirer le réveil. Et tout réveil qui fait sans Saint-Esprit, il n'est pas réveil. Mes frères et sœurs, nous allons regarder un texte avec moi dans Exode chapitre 19, texte sur le lien. Ou après que Moïse, prêtez-moi attention, oui, qui est le texte en sous yeux pour de m'en parler. Ou après Moïse, bon Dieu dit Moïse, dit peuple là pour moi, pour yo sanctifier yo. Jodi avec demain, parce que dans 3 jours, je vais rencontrer avec le peuple là sur le mont Sinaï. Et puis, qui ça peuple a fait? Le peuple là, il rassemble tout ça, te gagne, et puis il commence à sanctifier. Si vous continuez, li, ou après que vous dites, même garçon, pas toucher pièce femme, parce que vous dites, vous allez rencontrer mon Dieu, vous n'êtes pas capable d'aller dans la sexualité, parce que vous allez rencontrer un bon Dieu qui est saint. Et puis, le texte a dit, peuple a sanctifié. Prêtez-moi attention. Ou après, malgré le peuple a fait effort pour sanctifier, bon Dieu dit Moïse, même si vous sanctifiez, vous n'avez pas le droit de toucher un pied mon nom. Vous n'avez pas le droit de toucher point mon nom, malgré vous sanctifiez. Parce que si vous touchez mon nom, la mourir. Et mon Dieu va continuer toujours. Il va dire mon cabrit, mais mon cabrit depuis le toucher mon nom, c'est pour lapider. La présence de Dieu va y jouer. Mais l'église, vous m'avez comme temps remercié. Ça, l'église a bénéficié. Israël n'a pas bénéficié. Bon, m'expliquez ça me dit. Israël, malgré le sanctifié, il va pas toucher la montagne de Dieu. Prêtez-moi attention. Ce n'est pas mon Sinaï qui te saint. C'est la présence de Dieu qui fait mon enseignement. Répétez phrase en dit. Je me dis, ce n'est pas mon nom qui te saint, mais c'est présent, bon Dieu, qui fait mon nom. Par exemple, dans Exode 3, bon Dieu, relève Moïse. Dieu dit, Moïse, regardez, approche-toi d'ici. Et puis, quand Moïse approchait, maintenant, il dit, Moïse, retire sandales qui n'ont pas pied là, parce que terre ça au campé là-dedans, c'est un lieu qui saint. Maintenant, ce n'est pas mon nom, Moïse, là-dedans, qui saint. Mais c'est présent, bon Dieu, qui sanctifie mon nom. Amen. Donc, vous imaginez, depuis que bon Dieu descend sur le monde, mon nom tout sanctifié. Et la vie plus que le monde. La vie plus que le monde. Les bon Dieu descend sur la vie, lui exige la sainteté. Maintenant, Dieu dit Moïse, pas quitter le peuple à toucher mon nom. Mais nous-mêmes, l'église, nous avons un intercesseur par excellence. Nous avons un intermédiaire. Le peuple d'Israël, c'est Moïse comme intermédiaire entre Dieu et eux-mêmes. Mais nous-mêmes, l'église, nous sommes différents. Parce que médiateur, nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez médiateur sans soi. C'est lui qui fait pont entre moi et ciel. Maintenant, Jésus dépasse Moïse. Parce que Moïse, lui, il fait son tête monde. Mais Jésus-Christ, lui traverse le tabernacle le plus parfait. Lui traverse le saint. Lui traverse le très saint. En vérité, Jésus-Christ est le meilleur souverain sacrificateur. Lui dépasse Moïse. En vérité, moi qui servi c'est Moïse. En vérité, moi-même, c'est Saint-Esprit m'a servi. Lui dépasser tout ce qui est sous la terre. Acclamez Jésus-Christ qui met ton chita là à l'église. C'est lui fort. Chita là. Moïse rive sous le monde. Jésus-Christ traverse le tabernacle. Acclamez encore Noé. Et vous pouvez ça dire encore. Bon, mais qui ça fait moi-même Jésus net? Jésus n'est pas un monde qui est égoïste. Ou est-ce qu'il est président?
Elle a fait campagne où elle. Mon président t'a subi t'a fait campagne, même dans bol aller qu'un litrichita sous bon marché dans pour le craser avec. Pour le boire chaka. Et puis quand le rivé dans parler, il oublie ti marché ça qui t'est pas li bol aller que ça, il oublie elle t'a fait l'elle t'a fait tout ce qu'on est pour l'élection, mais t'as oublié ça. L'elle arrive sous trône, oublié ça. Mais Jésus-Christ, lui pas le président, lui pas le premier ministre, lui c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et regardez qui ça dit l'église. Lui dit regardez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de qui est-ce? De mon père. Lui dit l'aime fin préparer place là pour vous. Ma tourne vient chercher. Côté je suis sous trône, c'est là où à pied. Acclamez bon Dieu pour ça l'église. Je dis qu'espérance ça. Côté Jésus est, c'est là ma pied. Côté lié, côté le chita. Combien de gens qui ont préparé pour lui à soi? Les dit côté le chita. Et quand côté m'a parlé là, Jésus pas sous trône lui. Lui sous trône papa. Pour Jésus qui est sous trône, c'est moi-même avec vous qui pour monter dans le ciel et puis qui parle de ça, l'étronisation. Côté ma parole à Jésus, pas sous trône personnel. C'est sous trône papa lié. Al garder l'Apocalypse. Il dit, moun qui gourmet jusqu'à ce qu'il réussisse, m'a fait aussi ta sous trône moyen. Même j'ai moi-même, m'a mouru à Golgotha, m'a ressuscité. Papa m'a mette m'chita sous trône par là. Mais bien-aimé, Jésus-Christ dépassait Moïse. Et nous-mêmes, l'Église, nous dépassait Israël. Israël n'a pas de droit toucher un pied mort. Mais l'Église, ce n'est pas un monde qui a touché seulement. L'a traversé le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. L'Église a clamé bon Dieu pour ça. Ou que pour traverser le ciel, moi dépassé Israël. Israël, moi dépassé dans le nom de Jésus-Christ. Moi que pour m'aller dans le ciel. Mes amis, bien nous voulons parler de ça, nous avons joué. Ils ont découvert la galaxie, la voie lactée. Les univers dans son ensemble. Pour le monde découvrir tout l'univers, bon Dieu créé. Il prend plus de 1 million d'années. S'il n'a pas vivre, parce que jour l'homme comptait. Notre nous là, c'est 60 ans, 70 ans. Et bien, il a tellement dégénéré qu'on a monde qui 40 ans, il a mouru. Il a 30 ans, il a mouru. Il a 20 ans, il a mouru. Ça veut dire pour parcourir la foi lactée. Ou après plus de 1 million d'années pour qu'on tout élément, toute planète, tout système pareil ça pour qu'on tout net ou après plus de 1 million d'années mais quand t'aimes camper là à la trompette de Dieu non yon bat oui et puis m'a transformé pour m'entrer dans la gloire comme vous qui comprenez l'évangile ça soya quand ton chita là ou pas prendre un an pas prendre deux ans yon seconde ou à quitter la terre pour entrer dans le tracé. La différence qui gagne entre moi-même avec Israël. Mes frères et sœurs, nous avons plusieurs exemples avec vous. Dieu t'a demandé Jacob pour te sanctifier avant de monter Bethel. Dieu demandé, Dieu demandé Joseph. Joseph après Joseph avant de quitter prison, il changeait la prison et puis il mettait, il fait cheveux, il fait babli pour aller présenter devant le roi Pharaon. Maintenant, ou après le peuple d'Israël, pour le temps jouer bon Dieu t'a demandé pour préparer, yo, pour rencontrer bon Dieu. Nous-mêmes, toute l'église, bon Dieu demande nous une préparation. Bon Dieu demande chaque monde qui l'a, qui s'est dit, une préparation. Éphésiens 5, versets 25 à 27, pour nous capables de terminer. Éphésiens, tout le monde net applique ça avec moi. Éphésiens, chapitre 5, un bel verset. Éphésiens, chapitre 5. Verset 25 à 27. Nous parlons ensemble. Éphésiens. Éphésiens après le livre. Après Galates. Il y a un monde qui fait là. Éphésiens chapitre 5. Verset qui samedi. Verset 20, 25 à 27. Nous appuyons ensemble. 3, 4. Marie, que chacun aime sa femme. Comme Christ a qui ça?
a aimé l'église et s'est livré pour lui-même, pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par qui ça? Par l'eau de la parole, verset 27, pour faire paraître devant lui cette église, premièrement, qui ça dit? Glorieuse, deuxièmement, qui ça dit? Sans tache, troisièmement, ni ride, quatrièmement, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Prêtez-moi attention, je vais faire un petit travail dans le texte avec vous. Les maps m'hésitent sur le texte, je divise le texte en trois parties. Premièrement, je divise le premièrement par la rédemption, deuxièmement par la préparation, troisièmement par la glorification. Voici l'église là. Verset 25, qui vient dans verset 27, je divise en trois parties. Premièrement, c'est la rédemption. Deuxièmement, c'est la préparation. Troisièmement, c'est la glorification. Comme vous avez dit, premièrement, c'est la rédemption. Répétez, rédemption. Deuxièmement, préparation. Troisièmement, glorification. En nous retournant, premièrement, c'est rédemption. Deuxièmement, c'est préparation. Troisièmement, c'est les dit Marie, remets ma dame. Même Jean Jésus, t'es remis qui est l'église, elle tellement remis l'église, lui aller à Golgotha, lui offrir quoi à Golgotha, ça c'est la première phase là, c'est la rédemption. C'est la sanctification positionnelle. À la croix, Jésus qui sanctifie l'église là, à travers, tant de bien oui, chaque monde qui est là, qui recevra Jésus dans la vie, il est sanctifié en Jésus-Christ. Texte ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la position. Donc à travers le sacrifice de la croix, quand tu es campé là, grâce à Dieu, je suis sanctifié. C'est la sanctification positionnelle. C'est la rédemption. Ou après le fin dit, Jésus mourut pour l'église là. Ou après dit, en la sanctifiant par l'eau de la parole. Donc, moi, m'a parlé là, Jésus dans la deuxième phase là. Côté la sanctifier l'église là avec la parole. Dans Jean 17, verset 17, nous devons ça déjà dans ce moment. Jésus qui dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est là. Vérité. Donc la parole de Dieu, c'est lui qui a une capacité pour transformer l'église là, pour changer l'église là, pour faire l'église là arriver dans dimension côté lui-même après dans l'église là. Donc premièrement l'église pas oublier, c'est la rédemption, deuxièmement c'est la préparation. Donc côté m'a parlé là, Jésus toujours dans préparation. Pas inquiétez, chaque monde qui est là ou son machine qui dans garage. Et chaque jour, mon Dieu, il y a un marteau là-bas. Il y a des formations de l'archet, il y a quitté dans la vie, Adam a fait dans la vie. Maintenant, pour Jésus, accepter dans le ciel là, et pas consoler à l'apprendre. Il faut le coup de marteau, il faut le ranger, tout ça qui crochit, il faut le ranger, c'est la préparation. Maintenant, après la préparation, c'est la glorification. Est-ce que l'église a un? Premièrement, c'est la rédemption. Après la rédemption, c'est la préparation. Après la préparation, c'est la glorification. Maintenant, qui est la glorification à priver? C'est avant Jésus-Christ retourner. Maintenant, automatiquement, trompette la prale sonner. Maintenant, on a quitté la phase préparation. On a privé la phase glorification. Et ça fait texte là, dit dans Jean. Les regardez, mes petits enfants, moi, écris nous ça. Parce que les gens, les Jésus-Christ va retourner, nous va même gens avec elle. Comment qui t'a remis même gens avec Jésus là? Donc c'est la glorification. Mais bien même on songe à travers la Bible, il y a deux jeunes filles qui attirent l'attention. Premièrement c'est Esther. Deuxièmement c'est Ruth. Et deux mesdames ça ont tellement attiré l'attention. Parce que pour qui ça me prend deux images, parce que tous les deux c'est symbole de l'église. Tous les deux c'est symbole de l'église. Maintenant, qui ça me dit voilà? Si je prends Esther, ou après Esther, il y a une jeune fille qui t'a pas passé devant le roi Assyrus.
pendant qu'il prépare les jeunes filles, et puis il y a des gens qui préparent les jeunes filles, ils ont le savon, ils ont le parfum, ils ont l'huile, ils ont tout le bagage que les jeunes filles ont besoin pour passer sur eux. Et puis Esther l'a préparé, l'a mis le parfum sur lui, l'a passé l'huile sur lui. Mais Esther connaît le bagage. Il y a des bagages pas manicure qu'on met dehors, c'est pas pédicure qu'on met dehors, c'est anxieux qu'on donne qu'on met dehors. Jeune fille va parler avec vous. Golo arrive ou qu'on fait manicure, pas un problème. Golo arrive ou qu'on fait pédicure, pas un problème. Mais Golo arrive, c'est où tu chez soi de ta présence. Tu fais chef de ma foi, de ma faiblesse, immense. Que ferai-je sans toi? Nous vivons dans la société chargée de son lol, qui a fait vieille prière pour jeune fille tomber dans la sexualité ensemble avec eux. Et jeune fille l'église, les arrivés pour sanctifier, les arrivés pour croire ça que jeune fille. Et me déclarer sur chaque jeune fille qui l'a. C'est pour vivre même genre Esther. C'est pour embellir quoi même genre Esther. C'est pour chercher anxieux et surtout même genre Esther. Vous comprenez ça? Toute jeune fille est habillée bien. Mais par contre, jeune fille qui a gagné onction par ses sœurs. C'est différent, ça gagne entre Esther avec jeune fille. Donc, jeune fille, lui, volé. Gagne laissé par sous ta coiffeuse ou bouillée pour changer couleur. Cheveux rouges, cheveux noirs, cheveux rouges, cheveux bleus, cheveux verts. Chaque gars doit mettre des couleurs, cheveux calabres. Je n'ai pas de problème à ça. Mais en vérité, go le Satan a croisé avec vous. Ou mettez que cheveux 50 couleurs, la mangeau. Mais de vous que Jésus n'a vu, lui pas fait rien. Alléluia. Parce que ça, lui répand sous la vie. Écoutez, m'en copie là. Déclarez dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus, qu'elle tombe sous la vie des jeunes filles. Que bon Dieu prépare une génération d'Esther. Qu'a levé, qu'a préparé, qu'a persuadé, qu'a regardé dans toutes dimensions. Que grâce à tomber sous la vie. Donc, bon, là, c'est pas ni, ni fait belle. Et pas ni mes talons qui te fait bon, devient intéressante. Et pas ni comme méthode. Et ça fait en vérité, Satan pas pépier une jeune fille qui a fait tout ce qu'on est. Mais il paye une jeune fille qui sanctifie. Il paye une jeune fille qui consacre. Et en vérité, il y a des gars avec des hommes mystiques pour croiser une jeune fille qui est dans Jésus, pour changer leur vie. C'est impossible. C'est impossible. Deuxièmement, jeune fille qui intéresse, c'est Ruth. Vous avez texte ça dit? Lorsque Ruth va le rencontrer avec Boaz, Naomi dit Ruth deux bagages. Elle dit Ruth, lave-toi et ouvre-toi. Qui ça Naomi dit Ruth? Lave-toi et ouvre-toi. Lave-toi, c'est la sanctification, c'est la pureté. Ouvre-toi, c'est l'onction. Donc, très bien, Boaz, c'est un type de Jésus-Christ. Ruth, c'est un symbole de l'église. Naomi, c'est un symbole de cet esprit. Cet esprit dit l'église à soi, lave-toi et ouvre-toi. Répétez comme ça pour nous terminer. Lave-toi et ouvre-toi. Répétez encore, lave-toi. Levez-moi en l'air. Et demandez à mon Dieu, lavez l'église. Vous mettez levez-moi en l'air. Et demandez à mon Dieu que mon Dieu lave l'église là et que mon Dieu vide onction sous la vie. Levez-moi. Alléluia. Et me déclarer amen. C'est pour chaque sentinelle qui l'église. Vous mettez comment se ranger corps. Parce que si elle a une onction, elle veut larguer sous vie ou petite. Gardez. C'est une génération, mon Dieu, à chercher. C'est une génération, jeune fille, jeune garçon, qui a fait l'évangile avec rage. C'est une génération, madame mariée. C'est une génération des vieillards, que mon Dieu a cherché. Nous faisons ça pour laver, pour mettre onction sur eux. En vérité, jeune fille, les arrivés pour l'église, ou à qui sera fait. Vous ne pouvez pas rester seulement chaque dimanche ou fini. Ça va suffire. Voyons regarder. Est-ce que, oh, alléluia! Est-ce que l'onction arrive sur vous? Est-ce qu'on va prophétiser? Est-ce qu'on va donner un message? Et en vérité, et me déclarer, c'est pour chaque monde qui est en bas terre, c'est pour ciel la retirer en bas terre. Vous mettez levé mon là. Ouf, my God. Déclarer que ce soit l'or qui est en bas terre, c'est pour vous mettre à soi.
qui prend côté, qui pour retirer en bas terre, qui pour faire paraître à la surface. Ma parole avec le monde qui là, les arrivés pour mon Dieu mettre dans notre clé pour faire intéressant à faire coup. Et pas en bas terre pour être seulement. Les arrivés, et me sentir un tracteur quand dedans, qui a enterré, qui a retiré toute jeune fille, tout jeune garçon, dessiné, entre en bas terre. Ma parole avec un Joseph là, si elle a fait présenter devant les grands. Alléluia. Ma parole avec mon Esther. Mais sous l'âge, mon débat, mon grâce. Mon dernier grâce, mon dernier grâce. L'église soit ivre, mettre les vêtements par la foi dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que si elle a lavé l'église là, la sanctification, lavé par le sang de l'agneau. Pour monde qui besoin ça. Et est-ce que l'église a déclaré le sang de Jésus? Elle saura déclarer sa plus fort toujours le sang de Jésus. Répétez le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus purifié. Et je mets en l'air. Et me déclare que l'onction du Saint-Esprit. Jésus, qu'elle arrive sous. Qu'elle est au devant, qu'elle est derrière. Qu'elle est à gauche, qu'elle est à droite. Malgré que l'esprit des quatre vents qu'elle saisit assemble ça. Alléluia. Malgré que Colombe commence à battre Zélie en dedans. Quelle rivière couble côté. Quelle localisée côté. Jeune fille, alléluia. C'est pour enseignement, ça y est. L'est arrivé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jeune fille, l'est arrivé. Si ce n'est pas rien, si ce n'est pas WhatsApp, Facebook, pas WhatsApp, les poulies, pas Jésus, les poulies. La consécration pour rencontrer. Levez-moi là. Alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, Esprit de Dieu. Bienvenue, Esprit de gloire. Bienvenue, Esprit de sainteté. Comme aïe aïe aïe. Quel esprit de sainteté. Quel point quatre coins et l'église là pour lui. Alléluia. Quel esprit de Dieu. Quel mouvement dans l'église là. Quel secoué wobbly. Dans l'église là. En vérité, ma blague avec sanctification. Ma blague avec onction. Que onction marche avec vous. Que onction dormi avec vous. C'est pour l'enlever. C'est pour sentir onction. Alléluia. Déclare que l'huile a tombé sous la vie. Que toutes mains levées devant mon Dieu. Que toutes mains levées devant mon Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es bon jeune fille à chercher. Bon jeune garçon à chercher. Pour le vie de gloire. Pour le vie de gloire. On avait côtoyé. Alléluia. Quelle onction qui sous la vie, non. Quelle rivière à mettre. Quelle rivière traversée. Côtoyé là. Liberté pour moi qui besoin de liberté. L'onction de guérison. Pour moi qui besoin l'onction de guérison. Les arrivés pour imposer la main aux malades. Pour les malades guéris. Que toi, l'argent qui dépensait. Aïe, aïe, aïe. Comme un charabouille. Hesh. Hesh. Wow, my God. Hesh. Que l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu. Que l'esprit de 80. Hesh. Hesh. Yes! Yes! Alléluia! Senti gagnon, mais. Qu'a touché la vie. Hey! Moi, senti non, mais ça. Que la vie là-dedans. Mais ça, que c'est bon. Alléluia! Juste mon Dieu. Hey! Hey! L'église ne sont pas campées. Oui, c'est pour la vie. Oui, senti que yon men. Aïe aïe aïe. Qu'a touché. Konya. Senti non men ça. Gension la don. Gension la don. Aïe aïe aïe. Mais ça. Gension la don. Ministre de mon Dieu. C'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Gabriel, soleil. Moi, donc, moi, senti que yon, mais aïe aïe aïe, monsieur. A touché la vie, moi.
Moi senti, non mais ça. Moi du guérison. Aïe, aïe, aïe. Moi du ça, que c'est don. Me dis, c'est ton Dieu. C'est pour la vie. Amen. Le fait même une droite pour mon silence. Nous sentis qu'on lui qui descend là. Recevoir, jeune garçon. Recevoir, madame mariée. Les arrivés pour femme ou sont dehors. Les arrivés pour Satan respecter famille. Aïe, aïe, aïe. C'est pour vous là, oui. C'est pour vous là, oui. C'est pour vous là, jeune fille. C'est pour famille. Où est-ce qui est souhaité? C'est pour grâce de donner. Qu'elle sortit dehors. Qu'elle sortit dehors. Qu'elle sortit dehors. Qu'elle sortit dehors. Moi, boire ça, le verre, boire ça seulement. Boire ça seulement. Boire ça seulement. Boire ça seulement. Levez maintenant, boire ça seulement. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu. 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 Ouh, c'est le Christ. Ouh, c'est le Christ. Ouh, c'est le Christ. Ouh, c'est boire ça. Ouh, c'est boire ça. Ouh, c'est boire ça. Le bébé, le bébé, le bébé. Que la pluie de Dieu. Qu'elle tombe dans mon sang. Qu'elle tombe dans mon sang. Qu'elle tombe dans mon sang. Derrière coup de vent. À gauche ou à droite. Derrière coup de vent. À gauche ou à droite. Ah. La foi est en toi. La foi est en toi. La foi est en toi. C'est pour la vie. Amen. My God, my God. Gardez mon cap touché, gardez mon cap guéri, gardez mon cap transformé, gardez mon cap transformé, gardez mon cap rempli, gardez coup cap débordé, gardez coup cap débordé, gardez coup cap débordé. Par la foi, par l'esprit. Esther l'est arrivé pour sanctifier. Oh my God. Vous pouvez le présenter. Je suis arrivé pour sortir. Bon, mon silence le même. Toutes les rues le même. Voilà, mais quand on y est le même. C'est pas moi qui a touché vous. C'est l'ancien de Dieu qui a touché vous. C'est pas moi qui a touché vous, madame. Jeune fille, mon qui a perdu bataille l'abdomen. Si elle a dû assurer sa fini. Hey, si elle a dû assurer sa fini. Aïe aïe aïe, c'est la doua soya. Ça finit. Moun qui dépêche du grâce. Début 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 mois, 3 mois. Que si elle a retourné ma houle encore. Que le veuille encore. Que le veuille encore. Que soit dans bon hier. Que soit dans bon hier. Que soit dans bon hier. Que l'esprit de Dieu. Que l'entre dans chaque bon. Que l'entre dans chaque bon. Que l'entre dans chaque bon. Frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi, qu'est-ce que les yeux? Hey! C'est pour la vie, c'est pour la vie. Soleil, moins quoi la vie. Alléluia, moi quoi la vie. Soleil, fais mes yeux, pour recevoir l'huile Paula. Fais mes yeux pour recevoir l'huile Paula, soya. Ou même qui m'a senti l'huile Paula. Fais mes yeux dans celle-là. La vie qu'a restauré ma soeur. La vie qu'a restauré mon frère. Alléluia, dans la génération Paula. Alléluia, quand l'huile qu'a coulé sur la vie, soya. Déclare elle, moi quoi la vie, alléluia, carré, c'est pour la vie restaurée à soya, c'est pour la vie restaurée dans ma taouille, alléluia, c'est pour la vie restaurée, nos combats à mener, ma conquitante à ce que des vents, hey, moi voulais la vie, aïe, carré,
promesse. Moins quoi la vie. Jeune garçon, la vie qu'a restaurée. Monsieur, madame Marie, la vie qu'a restaurée. Hey, 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 hey. C'est pour la vie. Aïe, aïe, aïe. Fais mes yeux devant le trône de Dieu, soyons. Rentrez dans la chéquina de gloire. Et recevoir la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Recevoir la vie. Aïe, aïe, aïe. Jésus, c'est la vie. Recevoir la vie, soyons. La vie qu'on restaure. Oui, 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 oui. Moins quoi la vie. Aïe, aïe, aïe. Carré. Oui. Côté monde qui recevoir la restauration ce soir. Reçois, regardez. Recevoir la restauration. La restauration. Moi quoi la vie. Carré. Oui. Déclarer. Déclarer. Recevoir-lui pour la soya. Recevoir-lui pour la soya. Recevoir-lui pour la soya. Alléluia. Carré. Levez-moi. Levez-moi au combien. Fort restauration soufflée. La soufflée, la soufflée. La soufflée quand on y est là. La soufflée dans la vie famille. Non, je la mets. Senti que y'a un bébé. Ah. Cap touché. C'est pour sentir la touche l'espoir. Soyez. Wouch. Senti. Non, mais ça. Hey. Que la vie là-dedans. Ouais, Jésus, c'est normal la vie. Mais ça, que 5 ans. Par contre, le ministère a gagné. Regardez, que l'huile a coulé pour le ministère sur la vie ou là. Hey! Par contre, le ministère a gagné à soya. Mais que l'huile a coulé pour le ministère sur la soya. Levez-moi. Alléluia. Alléluia. Que vent ça souffle. Hey. Que vent ça souffle dans la vie où soya. Non, je mets pour lui la couler. Dans la bataille où il y a, pas de monde qui a retiré ou la donne. Vos promesses qui fait dans l'île Joël là. Pour cette génération, hey, qu'on vague! Gardez pas qu'il y ait des vagues, ça allait quitter, entendez? Pas qu'il y ait des vagues, ça allait quitter! Par contre, qui dort sous la vie, ou à soi, aïe, 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 moi, tu rentres dans la vague là! Moi, tu rentres dans la vague là, soi, pas qu'il y ait des vagues là, allait quitter! Levez-moi! Alléluia. Ouvre le cœur, ouvre l'esprit. Pas quitter vague là, allez, quitte, rentre dans vague là, soya. Rentre dans vague là, soya. Pas d'accord pour la vie ou pauvre. Pas d'accord ça pour la vie ou pauvre, soya. Libératrice là la soya. Lika libéré, entendez? C'est pour ça qu'elle te descend. Pour te porter la liberté. Mmh. Allez.
sorti mais ça non même sorti non mais ça que la vie l'attend ouais ce fois la vie mais ça que c'est ministère. Thank you.
soyez. Levez-vous à l'église là.